Allô Leute, aujourd'hui je vais vous présenter une marque de voiture mythique de la RDA, c'est la marque Trabant. Sachsenring Automobilwerk Zwickau, parfois abrégé en AWZ ou Sachsenring, était une entreprise d'État est-allemande spécialisée dans la construction automobile et basée à Zwickau en Saxe. Fondée en 1958 par l'union des usines AWZ, ex-Audi DKW, et Sachsenring, ex-Horsch de Zwickau, et disparue en 1991, quelques mois après la réunification allemande, la firme est avant tout connue pour sa fameuse Trabant, produite en différentes versions et qui fut une voiture symbole de la République démocratique allemande. Sur les marchés d'exportation, l'usine vendait d'ailleurs ses voitures sous la marque commerciale Trabant. Désormais privatisée et rebaptisée Sachsenring AG puis HKM Sachsenring, l'entreprise est aujourd'hui un sous-traitant de l'industrie automobile. La Trabant, et notamment le modèle 601, a désormais acquis le statut de voiture mythique en Allemagne, et des clubs y sont consacrés partout en Europe. La petite berline de Zwickau est ainsi devenue un des symboles de l'ostalgie, ce mouvement nostalgique de la RDA qui remet à la mode ses valeurs et ses produits. Aujourd'hui, de nombreuses Trabants ont été recyclées comme véhicules publicitaires ou comme objets touristiques. Ainsi, des Trabants carrossés en limousine ou en cabriolet et arborant des peintures multicolores sont utilisés pour faire visiter Berlin aux touristes. Le cinéma a également mis en valeur la Trabant, notamment les films Goodbye Lenin en 2003, Tout est illuminé en 2005 ou encore Go Trabi Go en 1991.